comme être à la terre de pèlerinage, parce que depuis mon enfance, j'ai été bercé par la poésie de Chikaya Utamsi. Et je suis très content aujourd'hui de rencontrer sa terre. Et j'espère que ces moments de partage artistique, ça va se passer avec l'ambiance qu'il faut. Donc je suis venu avec moi, en tout cas pour ce soir, il y a Monsieur Isongo et Joël Mava à la guitare. On va vous faire une petite performance en avant-goût de ce qu'on a prévu pour vous faire demain dans la salle de spectacle Chikaya Utamsi. Sage pour voir, nous n'avions pas l'âge de voir que l'amour était son propre guide. Nous étions si jeunes pour voir qu'avoir des ailes ne suffit pas pour se lancer dans le vide. On se disait, en fait, on nous disait que prendre l'amour pour un désir était signe de mauvais présage. Et on se disait qu'à bonne règle, bonne exception, dans langue bien aiguisée pour braver le commérage, nous étions souvent deux en un. Souvent dans l'overdose de la chose, mais de tout ça j'ai compris que dans la vie tout se métamorphose. Et tu disais, je t'aime, le temps d'une éternité, mais en soi, l'éternité n'est que néant. Là encore j'ai compris que si s'aimer est gratuit, au moins se quitter c'est payant. Je me suis toujours demandé, mais que s'est-il passé, moi? Je n'ai rien vu venir, quoi de plus normal? L'amour, ça tu l'as vu, mais cette question reste sans réponse. Et dans ma tête tout reste confus. Voilà aujourd'hui 15 ans que le soleil s'élève et s'écouche, 15 ans que le soleil s'élève et s'écouche, 15 ans que le soleil s'élève et s'écouche sur moi seul. Et toi sur l'autre rive, je me demande si tout est parfait, et ma bouche pleine de blasphème parle de toi à l'imparfait, c'est vrai. Que l'absence est comme un ciel noir et les souvenirs, les astres lumineux, j'ai gardé pour toi un peu de soleil dans un coin de ma tête. Les éclats de nos beaux jours scintillent encore dans mes yeux. J'ai gardé pour toi un peu de soleil dans un coin de ma tête, c'est vrai, c'est vrai. Que l'absence est comme un ciel noir et les souvenirs, les astres lumineux. J'ai gardé pour toi un peu de soleil. Juste un peu de soleil. Soleil.
que puisqu'on parle d'espace et de manière d'habiter les espaces, moi, je viens de Kinshasa, j'avoue qu'il y a au moins 8 ou 9 jeunes sur 10 à avoir hébergé l'envie de partir, de quitter le pays, voilà, parce que parfois les conditions ne nous permettaient pas de pouvoir voilà, prospérer et d'avancer. J'ai écrit ces textes pendant ce moment de tumulte et ça s'intitule « Partir quand même ». Maman, de tout mon cœur, je t'ai écrit cette lettre. Toi, la reine de ma vie, la couronne de mon être. Ma décision est prise, partir loin d'ici. Là où les hommes marchent droit et peuvent déchets dans la pentisse. Ma raison a pris le pas sur les dunes de ma foi. Trop de promesses n'ont tenu, ça rend sombre l'espoir. Le système a voulu, nos rêves s'étaient à fleur d'âge. Entassés dans ce corridor avec la misère en partage. Plutôt que voir sodomiser ma jeunesse profonde, je m'en vais chercher un bout de fierté à l'autre bout du monde. D'ailleurs j'ignore où je vais, mais il faut que je sois ailleurs. Là où les dirigeants pour le peuple veulent le meilleur. Là où le soleil s'éclore, pour que la wolfia s'épanouisse. Là où la pyramide de Maslow cause moins d'ennui. C'est un aller, pas sans retour. Crois pas que je t'ai abandonné, mais je n'ai plus de cœur à voir tes enfants au sourire chiffonné. Aïe. J'ai oublié d'aller prier. Même son évangile ne nous a pas mis le pied à l'étrier. Mon sang brûle des passions malgré ma bonne étoile. Mais ici la réussite est entre les quatre murs d'un circuit fermé. Alors je partirai pour une pépite de mérite, à l'usure de mes pieds jusqu'au bout du péril. Loin du péril organisé d'un système condescendant. Maman, je reviendrai en pilier pour qu'on t'aura 100 ans. C'est pas la quête d'Eldorado, juste un brin de dignité. Accouché de mon rêve et quelque part une rêve donnée. Ils ont trempé notre avenir dans une fétide fange. Maintenant ils confondent nos cris d'alarme aux caprices d'enfants. Comme dans une nuit pluvieuse, nos étoiles ternissent. Mais il ne faut pas que l'éclipse solaire de notre bien-être s'éternise. Aïe. J'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de changer le schéma. Tout le chemin mène à la fraude quand c'est la mafia qui gouverne. Ils combinent leurs dividendes et nous c'est la vie qu'on hiberne. On a droit perdu par la loi de la force et la menace. Et les médias dans leur glace, on a le reflet des jungles. Si nos blessures sont très profondes, plutôt que les pensées, ils ont pris les chars pour mieux combattre nos pensées. Le temps glisse sur nos peaux, reste des marques irréparables. J'ai préféré m'en aller que passer ma vie dans l'embarras. Congo Tebo, les hommes m'ont poussé à te haïr. Ta terre est chère, de ma chair, ton fleuve, mon élixir. Mais si je pars, c'est pour prendre ce que la vie a proposé. Où que je sois, je porte l'obligation de te redresser. Aïe. Et que voilà, dans nos traditions africaines, c'est que la mort, c'est jamais quelque chose de naturel. Et donc après sa mort, on a cherché des raisons comme quoi il serait mort après avoir lu un bouquin mystique. Et donc à la maison, il y avait l'héritage de cette malle plein de bouquins. Et moi, j'ai commencé un peu à fouiller le bouquin mystique qu'aurait lu mon père. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et j'ai commencé à écrire jusqu'à à rencontrer le slam. Et voilà, personnellement, j'écris des choses qui me touchent. Ça peut partir d'un sujet, entre guillemets, comme on dit, engagé, ou des sujets très intimes.
ou la diversité avec des sujets d'amour tels que la société nous inspire par rapport aux réalités d'autres personnes. Voilà. Et donc d'une sorte de proximité qui serait magique et très très forte. Et puis la deuxième chanson qui parle de départ et de distance. Ouais. Vous voulez... Oui, en fait, il y a... Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ? C'est basé sur des réalités, parce que après, on... dans tout ça, par rapport au tumulte de la vie, on essaye de trouver des moyens de résister. Et pour moi, écrire et mettre des histoires en chanson, pour moi, c'est une façon de me libérer ou de surmonter cette étape, cette réalité, et que, voilà... une chanson qui soit une chanson d'amour, c'est des vraies rencontres, on rencontre des gens, on se quitte, ça laisse des marques, et c'est des expériences comme ça. Ou alors, de moments où tu penses vraiment que, comme disait Milan Kundera, la vie est ailleurs, là où t'es, c'est pas le lieu à être, faut partir, quoi. C'est ces approches-là, c'est vraiment des faits réels, en fait, voilà. Est-ce que le moyen l'expression du slam, c'est quelque chose qui vous est apparu comme évident, ou alors c'est est-ce que c'est une manière de mettre de la poésie en scène ou de la musique en très 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 évident, parce que j'ai grandi un peu dans le milieu littéraire à Kinshasa et j'ai un côté très non conformiste, j'espère que ça se voit. Si je le dis pas moi-même, c'est difficile de me classifier parmi les littéraires, en tout cas en particulier au pays. Et que voilà, moi je voulais pas me ressembler à tous ces gens qui publiaient des bouquins, en tout cas enfant, de toute façon je les voyais, j'arrivais pas à m'identifier à eux, c'était pas vraiment le type de personne, je voulais pas être comme ça. Pour moi, quand un poète ça ressemble à ça, non, je vais pas être ça, si c'est ça être poète. Et donc je rencontre le slam parce que c'est cette rencontre entre le texte, la poésie et la musique, étant donné que moi j'étais déjà dans la poésie et que j'aime la musique, je rencontre cette expression artistique, je dis tiens, c'est la chose, c'est une évidence, et c'est parti comme ça depuis. Une dernière question, peut-être vous avez ouvert votre intervention en mentionnant le poète Chikaye Utomsi. Ici on est à Pointe-Noire, on est au Congo-Brazzaville, vous venez de Kinshasa au Congo-RDC. Ce sont deux pays qui sont très proches. Est-ce que, en même temps, vous percevez une proximité, ou est-ce que vous percevez une distance entre ces deux villes, entre ces deux pays ? En termes des peuples, il y a une très forte proximité, parce que quand j'arrive par exemple à Brazza, je rencontre des jeunes avec qui je partage des moments mais très formidables. Mais politiquement, c'est là qu'il y a l'éloignement. En quittant chez moi pour arriver ici, ça met une heure de voyage. Mais je passe 14 jours des formalités avec 6000 papiers à signer, mais faut le faire, quoi. Sinon, c'est trop pesant. Et c'est là où ça devient difficile, c'est là qu'il y a l'éloignement. Mais en termes des peuples, en termes des rencontres, je pense qu'il y a une forte proximité. Moi, par exemple, j'arrive pour une première fois à Pointe-Noire. Je ne dis pas le nombre de personnes que j'ai déjà rencontrées, avec qui on a partagé des moments, on a discuté, qui ont envie de savoir comment les choses bougent à Kinshasa, et moi j'ai aussi envie de rencontrer Pointe-Noire au travers leur regard sur Pointe-Noire, voilà. Et la poésie de Chikaya ? La poésie de Chikaya, c'est vraiment quelque chose d'intimiste. Moi, personnellement, on fait cette blague tout le temps à Kinshasa, à vouloir tout le temps se dire, j'ai la légitimité d'être le petit-fils de Chikaya. C'est que quand je rencontre quelqu'un d'autre qui me parle de Chikaya, je dis, mais d'où tu parles de Chikaya ? C'est à moi de te parler de Chikaya. C'est un truc hyper personnel que quand je rencontre quelqu'un d'autre me parler de Chikaya, je dis, non, tu peux pas me parler de Chikaya, c'est à moi de te parler de Chikaya. C'est très, très perso, en fait. Étant donné que j'ai lu un peu sur son enfance, de la façon dont il a été sévré de sa maman, et que ça ressemble un peu à moi, étant jeune, étant petit, je me suis fortement identifié à ce qu'il dit. Quand j'apprends par exemple que le gars il a claqué la porte au poète de la négritude, je dis mec, c'est la chose à faire, parce que moi perso je pense que la négritude, je vais pas rentrer dans un débat des dents, mais ça a été une porte ouverte pour beaucoup de choses, à faciliter beaucoup de choses, la pérennité de beaucoup de choses qui ne permettent pas aujourd'hui à ce que l'Afrique s'élève et prenne l'envol. Et que quand un gars comme Chikaya débarque, qui dit à un Senghor,
que je suis poète congolais ou poète africain simplement. Je ne suis pas un poète de la négritude. Cette audace-là, je dis, c'est quelqu'un, quoi. Et moi, je m'identifie à cette parole-là. La différence entre un poète de la négritude et un poète africain. La différence entre un poète de la négritude, personnellement, je pense qu'il y a, cette façon de définir la négritude par rapport au père de ces mouvements qui ont défini la négritude d'une certaine façon et qui sont venus tout en favorisant certaines choses. Moi, je dis par exemple aujourd'hui, on ne doit pas avoir honte de les dire. Voilà, qu'on va accuser Senghor d'être le père de la France-Afrique, par exemple. Est-ce que ça aide, en tout cas culturellement, et aussi il a été politique. Donc Césaire, c'est quelqu'un qui a ouvert la voie, plutôt Senghor a ouvert la voie à la France-Afrique. Quelqu'un comme Senghor qui passe son temps à enseigner sur, plutôt Césaire qui parle, nos ancêtres n'étaient pas des Gaulois, nos ancêtres étaient des Africains qui enseignent, c'est là aux Antillais, mais qui au final choisit la départementalisation. Il y a un malaise face à tout ça. Je peux me tromper sur ma façon de voir les choses, mais personnellement, je ne rentre pas dans la démarche parce que je ne pense pas que ça, c'est aller jusqu'au bout. Mais Césaire est sage parce qu'au final, il dit, nous, on a lancé le go, on a remis les choses en question, c'est à vous de reprendre le flambeau et d'aller d'un point X à un point Y. Et Chikaya, c'est simplement celui-là qui a refusé ces schémas-là, qui a voulu emprunter un autre schéma. On s'est référant comme James Baldwin l'a dit, le paradoxe de l'éducation, c'est que une fois qu'on est éduqué, on se met à examiner la même société qui nous a éduqués. C'est exactement ce que Chikaya fait, parce que Chikaya s'est nourri de la poésie, de la négritude, mais au final, il dit que je ne rentre pas dans ces courants, j'emprunte une autre voie. Ouais. La parole au public. Moi, je suis d'accord avec toi que c'est encore... c'était pas toujours ce qu'on voulait, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et de la même manière, Césaire a fait la même chose. Bon, pour ceux qui ne savent pas qui est Senghor, qui est Césaire, on va pas les définir aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Moi, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remet certaines choses en question. Mais voilà, moi, je pense que... ils ont tracé le chemin et donc on le suit et c'est vrai qu'on a le droit de se poser des questions, de se repositionner, de revoir ce qu'ils ont dit, les philosophies qu'ils ont développées. Et moi je suis fier de toi, c'est un thème que j'entends pas toujours les gens aborder. Et donc voilà, c'est une grande joie de t'entendre parler, ça fait plaisir. Et ce que Tikaya Autopsy a fait, c'est vrai, c'est un grand poète, mais... pour moi, Aimé Césaire et Sénard Senghor, d'ailleurs même quand Kazé arrive ici, on a travaillé avec la rappeuse Kazé, elle se retrouve au Congo et dit ici c'est ma terre. Parce que quand, tu vois, j'ai écouté Kazé dans les années 2005, je la retrouve ici en 2016 et 2017, on a travaillé avec la directrice Fabienne et on a participé au colloque qu'il y avait en 2019 ici. Mais je retrouve, en fait, il y a beaucoup d'aspects comme toi, j'aime bien la lecture, tu vois, parce que c'est ce qui m'a mené à aimer la musique, mais pour moi, c'est tous ces poètes, ils ont leur place, en fait. En gros, chacun d'eux a défendu l'Afrique à sa manière, c'est tout ce que j'allais dire. Tu lis, par exemple, Le ventre de Chikaya, c'est une saison au Congo de Césaire, en poésie, tu vois. Ça veut pas dire, mais c'est juste dans la façon de penser, parce que Chikaya le dit si bien, il dit « Nègre, c'est le regard de l'autre sur moi. » Alors, ce qui compte pour moi, c'est mon propre regard sur moi. C'est exactement, c'est juste dans la façon de voir les choses, tu vois. C'est pour cela, moi, je dis que j'emprunte la voix de Chikaya et non la voix de Césaire et de Senghor. Parce que Senghor me dit, ok, je ne suis pas voleur, quelqu'un vient de dire qu'il était voleur, mais je dis, ok, d'accord, je suis quand même un voleur du bien-être. Non, je ne suis pas voleur. Ok? Et c'est ça, Chikaya, en fait. Moi, j'adhère dans cette vision-là. Toute la différence est basée sur la façon de voir. Parce que les autres acceptent le coup reçu. Ils font avec. Mais Chikaya dit que pas moi, parce que déjà même dans certains de ses textes, il dit je pardonne, si je paraphrase, il dit je pardonne, je crois, parce que je ne suis pas nègre en fait. Et tout au long de sa poésie,
c'est quelqu'un qui s'amuse à maltraiter la négrite, oh, ta sale tête de nègre, des choses comme ça, tu vois. Parce que lui, il rentre, moi personnellement, c'est dans la façon de voir les choses. Je ne veux pas que l'autre me définisse. Je ne veux pas que l'autre dise de moi et j'encaisse et je dise, ok, d'accord, c'est ça. Mais non, il n'y a pas de main. Je dis ce que je suis et c'est ce que Jikaya a fait. Exactement, c'est la nuance. Mais d'un côté artistique, tu cherches la différence entre écriture, etc. Tu ne vas pas le trouver vraiment. Parce qu'ils sont presque tous dont voilà, Jikaya est presque dans le surréalisme, dans son écriture, exactement comme Césaire. Il n'y a pas de différence dans la dimension artistique de la création, mais dans la façon de penser, c'est différent. De définir, de rappeler qu'est-ce qu'on appelle une frontière. Une frontière, c'est une limite du territoire sur lequel un État exerce sa souveraineté, une ligne qui résulte le plus souvent d'un rapport de force entre deux entités sur un espace donné. Bon, voilà, c'est la définition classique géopolitique. À partir de là, on peut parler véritablement d'un paradoxe de la frontière. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, dans le monde actuel, on vit le monde de la globalisation, le monde de la mondialisation, où les frontières entre les nations, les peuples, les groupes, les hommes semblent disparaître avec les nouvelles technologies. Notamment, et on pourrait voir une uniformisation du monde, une sorte de mondialisation culturelle, avec une gouvernance mondiale également, et le monde serait devenu un monde village. Bon, il y a une vision aussi, une clé de lecture du monde actuel qui peut aller dans ce sens-là, et c'est l'image d'un autre très proche, quelle que soit la distance ou la culture, un autre qui disparaît où chacun se fondrait dans un ensemble plus vaste. Donc à travers l'utilisation des réseaux sociaux, du téléphone portable, etc. Donc à partir de là, on pourrait se dire ben, les frontières sont en train de disparaître. Or, si on regarde ce qui se passe, les frontières, au contraire, se multiplient, ne cessent de se multiplier à l'heure actuelle. Et on assiste à une véritable fragmentation du monde. C'est quelque chose qui s'est accéléré. Bon, les frontières, elles existent depuis l'Antiquité, mais il y a une véritable accélération des frontières au XIXe siècle, avec l'avènement des États-nations en Europe. Et l'Europe qui a exporté cette vision de l'État-nation et qui l'a appliquée, par exemple, à l'Afrique. Et par la suite, au XXe siècle, les choses se sont encore accélérées avec les indépendances des États colonisés, des peuples colonisés, et puis la disparition, à la fin du XXe siècle, du bloc communiste, du bloc de l'Est. Et les choses se poursuivent. On a aujourd'hui de nouvelles frontières qui apparaissent, qui sur de nouveaux territoires, les mers, voire l'espace. Donc le monde ne cesse de se fragmenter. C'est le paradoxe. D'un côté, des frontières matérielles qui semblent se dissoudre, et puis d'un autre côté, en fait, dans la réalité, des frontières qui se multiplient. Alors, donc, à quoi servent ces frontières ? Ben, elles servent à protéger, elles sont un signe d'appropriation, une affirmation d'une identité, de sa souveraineté, une ligne qui partage ou qui sépare. Donc là aussi, il y a beaucoup d'ambivalence. Les gens qui s'approprient cette pensée sont un ensemble d'impérialistes et de personnes qui ne veulent pas s'assumer. Je crois que les frontières existeront toujours. À un moment, on les ouvre, à un autre moment, on les ferme. C'est pourquoi d'ailleurs, les différences et les similitudes demeurent. Et pour revenir au propos de notre grand slameur de la soirée. La mode, c'est une façon d'ouvrir les frontières. Nous savons que la poésie
ce n'est pas seulement l'affection qu'on a pour la versification, mais la poésie, c'est aussi la force des mots, le choc des images, et surtout, la poésie, c'est un langage exceptionnel, un langage personnel. Chacun des poètes est un monde, et un monde à part entière. Les Congolais ne peuvent pas vivre avec les Gabonais. S'il y a des conflits depuis des années, des décennies entre les RD Congolais et les Rwandais, si chez nous, en République du Congo, il y a encore des problèmes ethniques entre telle tribu et autre, je crois que parler de panafricanisme, c'est exagéré. Moi, je ne suis pas panafricaniste. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre ce que c'est. Je me souviens encore, il y a quelques années, ici à l'Institut français, on a parlé de la poésie africaine. Et je suis intervenu pour dire qu'elle n'existe pas, cette poésie, cette littérature africaine. Il en existe des littératures africaines, des littératures africaines. Donc, vouloir changer l'autre, ce n'est pas mon souhait, parce que je sais que l'autre est l'autre et moi, je suis moi. Pourquoi vouloir le changer? Je crois que... vouloir changer l'autre n'entre pas dans mes objectifs, dans mes objectifs simplement. Dans certainement des réalités qui diffèrent des unes des autres. Par contre, l'idéal serait que le monde ne puisse avoir aucune frontière. Ça, c'est l'idéal. Mais quand on imagine, par exemple, qu'il y a des gens qui pensent comme des islamistes, par exemple... Vous voyez bien que avoir l'œil à côté de chez soi, c'est pas intéressant. Avoir Al-Qaïda à côté de chez soi, c'est pas intéressant. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une réalité qui nous rattrape. Tant qu'il existera, à mon avis, des frontières psychologiques dans la façon de percevoir les choses, dans la façon de prier même, d'agir. Si je me souviens bien, c'est Youssoufa qui disait que si même Dieu ne peut pas mettre le monde entier à l'unanimité, vous pensez que les uns et les autres peuvent vraiment s'entendre? Bon, il a posé une, je paraphrase, hein, mais il a posé une telle question pour dire qu'en fait, les frontières existent vraiment. Il y a une réalité, lorsqu'on est mauvais, on est mauvais, lorsqu'on est bon, on est bon. Et à un moment, on veut pardonner les mauvais. Et par moment, on ne peut pas les pardonner, parce que pardonner un mauvais, ça voudrait dire se laisser pourrir par celui-ci, ainsi de suite. Il y a plein de réalités qui nous entourent. Mais je rejoins un tout petit peu l'idée selon laquelle on ne peut pas, parce que j'ai suivi attentivement, il y a des écrivains et des penseurs qui estiment qu'il est nécessaire d'avoir des frontières. On a vu avec les États-Unis. Ce qui est curieux, c'est que tous les États qui se croient intéressants, avec les médias bien entendu, défendent l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait des murs, par exemple, qu'il y ait un mur entre le Mexique et les États-Unis, mais tous les médias mettent des murs entre des continents. Hein, on peut parler de Facebook. Si vous ouvrez un compte en France, Facebook, et vous ouvrez un compte au Congo, vous faites des demandes aux Français, en étant Congolais, vous faites des demandes, si vous êtes Français, aux Congolais, vous verrez très bien qu'à un moment, vous ne voyez même pas les publications de certains Français au Congo et les publications de certains Congolais. Si vous êtes en France, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe vraiment, hein? Si vous animez une page en France, donc dans l'Union européenne, et vous animez une page ici, vous voyez tout de suite la différence. Moi, je me souviens avoir été ami avec Nicolas Sarkozy à une période. Ça a duré pendant un mois et après, j'ai disparu. Je ne voyais plus rien. J'ai rien compris, mais bon. Les frontières existent, c'est-à-dire qu'elles sont même favorisées par ces grandes firmes, on va dire, qui gèrent le monde, en fait. Et c'est vrai que ces frontières permettent aussi d'éviter certaines dérives. Ces frontières permettent aussi de contrôler certaines situations. Ces frontières permettent aussi
Bien entendu, d'éviter des exagérations. Parce que, vous savez, imaginez que la France était vraiment un pays ouvert. Tous les Congolais seraient devenus français. Ça, c'est évident. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Il faut bien qu'il y ait... Parce qu'on accuse rapidement l'Union européenne. Non, mais ils nous interdisent les visas et tout le reste. Mais ben oui, mais il y a 500 millions de personnes là-bas. Vous avez le Nigeria qui va un jour bientôt en avoir jusqu'à 1 milliard. Imaginez un tout petit peu la réalité. Donc, je vais terminer avec un événement tragique et dramatique à la fois. Ce qui s'est passé en 2013-14 ici au Congo, tous les Congolais sont contre le fait que les visas français soient difficiles, mais tous les Congolais, presque, étaient d'accord qu'on chasse les quinoa. Vous voyez, il y a un contraste. Alors, on se pose des questions. C'est-à-dire, les quinoa, c'est les habitants de Kinshasa, donc en gros, les Congolais de la RDC. On a dénoncé même les gentils, même les chrétiens, ceux qui se disaient enfants de Dieu. On dit que non, là-bas, il y a une autre quinoise qui habite là-bas, il faut la chasser. C'était intéressant, mais lorsqu'on regarde la télé ensemble, hein, ah ouais, ils nous interdisent le visa, moi, on m'a refusé le visa, j'ai 28 millions dans mon compte, mais bon. On se pose des questions. En fait, on a tous des frontières à l'intérieur de notre psychologie. Donc, il est naturel qu'il y ait des frontières un tout petit peu partout. Merci. Il y a des frontières qui sont stimulantes, qui protègent aussi, voilà, les identités qui sont là et qui sont utiles. Donc, j'ai pas de réponse du tout. C'est juste en tant qu'individu, en passant une frontière. C'est quelque chose, c'est un sentiment de liberté, de puissance, de pouvoir passer une frontière. Hein, on est, il se passe quelque chose. Moi, j'essaie de me mettre à la place des gens qui n'arrivent pas à avoir de visa, qui doivent toujours prendre la file la plus longue à l'aéroport plutôt que la file où les passeports sont visés de façon très très rapide. C'est une autre façon de penser le monde, même si on va pas, même si je ferai pas le tour de la Terre ou 10 fois le tour de la Terre, rien que de savoir que je pourrais potentiellement le faire, c'est un avantage énorme. Et effectivement, les frontières, c'est dans les têtes aussi. Voilà. Personnellement, je rentre pas dans le suivisme comme une volonté. Absurde de vouloir à tout prix reprendre ou être à tout prix sur les traces des personnes qui nous ont porté à un moment. Parce que il arrive ce moment où dans l'art on rencontre soi-même, et c'est le plus grand rendez-vous artistique, c'est cette rendez-vous avec soi-même, et on emprunte beaucoup de chemin. Et voilà, on peut partir de tel artiste ou de tel écrivain ou de tel poète jusqu'à se rencontrer soi-même, et c'est une volonté, et c'est question de volonté. S'il y a un artiste qui reste dans la volonté du suivisme et qui pense que son acte artistique se résume là où s'exprime mieux dans le suivisme, qui suis-je pour lui dire c'est pas la voie à suivre? Mais quant à moi, j'ai emprunté beaucoup de chemin pour me rencontrer moi-même, et c'est un processus. Je ne m'inscris pas dans le suivisme comme une volonté absurde de vouloir à tout prix suivre ou rester dans les traces des autres. Alors, s'agissant du panafricanisme, moi, personnellement, je m'inscris dans la pensée politique de l'unité africaine que prône le panafricanisme. Et quand je parle de l'unité africaine, c'est pas chercher l'homogénéité culturelle ou politique. Je parle juste dans la façon de mettre des idées et des pensées pour favoriser les conditions des personnes qui occupent un espace, un grand espace qui est appelé Afrique. Si les autres ont réussi à les faire, pourquoi pas nous ? C'est dans ces contextes-là. Je ne rentre pas dans l'homogénéité culturelle où on n'est pas panafricaniste, on doit à tout prix avoir une même identité, une même culture dans l'Afrique. Et tu l'as si bien dit, parce qu'il n'existe pas, quand tu dis par exemple une littérature congolaise ou une littérature africaine, c'est des littératures et voilà. C'est exactement ça aussi. Mais cela n'exclut la possibilité de pouvoir converger sur un besoin plus grand qui nous dépasse tous, parce qu'aujourd'hui, on évoque, on parle des frontières,
Je te rejoins aussi quand tu dis, moi aussi, je suis d'accord du fait qu'il y ait des frontières. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des frontières, le plus grand danger que l'on voit, c'est l'immigration de masse. Mais depuis toujours, l'homme a eu besoin de s'émouvoir, de bouger. Mais quand tu vois les hommes bouger en masse, c'est qu'il y a quelque part un malaise dans la condition de vie. Ils sont mis dans une condition qui ne leur permet pas de vivre. Et c'est en ce moment-là que les gens essayent d'aller en masse vers un autre endroit. Mais le besoin individuel de vouloir explorer le monde, de rencontrer le monde, de franchir les frontières, là où un peuple se retrouve et est mieux assis, tu ne verras jamais les gens partir en masse. C'est les conditions. Et c'est là qu'il faut questionner la politique. Et quand je dis « il faut questionner la politique », aujourd'hui on s'est défini comme des États indépendants, donc la souveraineté revient au peuple. Et s'il faut questionner la politique, il faut questionner les peuples sur le rôle des peuples que nous sommes aujourd'hui. Par rapport aux décisions qui sont prises, par rapport aux visions qui sont lancées, est-ce que ça rencontre nos attentes? C'est exactement là que le problème des frontières devient un sujet ou aussi un malaise. Mais avoir des frontières en soi, c'est, en tout cas pour moi, c'est vraiment pas un... Je suis nouveau en Afrique, hein, je viens d'arriver, donc je découvre quand même beaucoup de problématiques spécifiquement africaines. Et moi, mon propos ce soir, c'était justement plutôt de parler de ce qui est universel, plutôt ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise, en fait. Mais par contre, c'est vrai que je m'excuse un petit peu auprès de l'IFC parce que je ne vais pas parler spécifiquement de la sous-région du Congo. Mais je voudrais plutôt me questionner sur qu'est-ce qui nous permet d'être proches, vous et moi, et je dirais toute l'humanité, au-delà de nos différences culturelles. Voilà, comment éviter les pièges un petit peu des relations interculturelles. Alors, déjà, il y a quelque chose qui nous rapproche ce soir, c'est la langue française. Hein. Camus disait « Ma patrie, c'est la langue française ». Et c'est vrai que moi, je suis toujours étonné tous les jours quand j'entends la maîtrise de la langue française que j'ai entendu ce soir et que je peux m'exprimer ce soir avec vous dans ma langue natale. Pour moi, c'est vraiment un miracle renouvelé. J'ai passé 9 ans au Vietnam avant de venir ici et la première barrière, c'est clair, c'est la langue. Donc là-bas, j'avais un sentiment quand même d'éloignement beaucoup plus fort finalement qu'ici. On apprend beaucoup plus vite à se connaître quand on a une langue commune. Ceci dit, le problème de la langue et de la culture en général, c'est qu'elle divise, elle rassemble, certes, nous avons une langue commune, mais elle divise au sens où tous ceux qui ne partagent pas cette langue, ils sont différents. Donc si on pense au Cameroun, par exemple, les anglophones, la minorité anglophone au Cameroun, on connaît le problème en ce moment que posent ces différences, et c'est assez compliqué. Donc, en fait, le problème avec la culture, c'est que on n'a jamais fini, en fait, on n'a jamais fini de faire des différences. Donc, on parle la même langue, c'est formidable, mais parfois c'est la culture religieuse qui va nous opposer. Donc, si on pense par exemple aux guerres des années 90 entre les Serbes et les Bosniaques, ce sont des gens qui parlent exactement la même langue et qui ont la même origine ethnique. Et le conflit, notamment, était lié aux religions. Donc, voilà, on peut toujours être à la recherche de la plus petite différence, du plus petit dénominateur culturel commun, et ça n'a pas de fin, en fait. On est français, mais certes, les Bretons ou les Basques, c'est pas la même chose. On est Congolais, mais
les Bakongo, le Bateke, ce n'est pas la même chose. Donc, et on sait aussi que les guerres civiles, parfois, sont les plus meurtrières. C'est les plus brutales, les plus violentes. C'est pas ici que je vais vous l'apprendre, hein, malheureusement. Mais si on pense à la guerre de sécession américaine, c'était vraiment un carnage. Donc la vraie question pour moi, ce n'est pas la proximité culturelle, parce que la proximité culturelle, finalement, ça n'empêche pas le meurtre, ça n'empêche pas la barbarie. Avec des pseudo-anthropologues européens, par exemple, dont le plus connu est Arthur Gobineau. Alors vous savez, bien entendu, que tout ce délire sur le racisme biologique s'est mal terminé. Ça justifiait le colonialisme, ça va de soi, mais bien entendu, le génocide des Juifs, des Tziganes, au nom de la prétendue supériorité des races. Donc heureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU a réuni des anthropologues, des biologistes, des sociologues pour réfléchir à cette notion de race qui avait été discréditée par tout ce qui s'était passé. Et aujourd'hui, cette notion de race est quand même passablement discréditée, puisque on a prouvé que même si la diversité génétique existe, c'est un fait, aucun groupe ethnique n'est homogène. La différence que déjà avoir l'amour de soi-même et de son peuple et de son histoire, de sa culture, et peut-être pour rebondir aussi sur les idées de panafricanisme, peut-être que un panafricanisme politique est intéressant, mais comme on l'a dit, un panafricanisme culturel, ça me paraît compliqué à l'heure actuelle. Déjà, peut-être que si les pays africains ou les peuples africains du même région pouvaient déjà s'intéresser à vraiment valoriser, revendiquer leur propre histoire et à la mettre en valeur, ça serait je pense que ça aiderait dans la discussion. Et je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, Jérôme, sur les groupes communautaristes qu'il peut y avoir en France. Pour moi, c'est le mot communautaire, déjà c'est un mot très connoté, parce qu'on dit communautaire quand c'est des noirs qui se rassemblent, mais quand c'est des groupes de blancs, on dit pas communautaire, on dit juste c'est des gens. Donc déjà ça questionne. Et des groupes communautaires, l'intérêt d'un groupe communautaire, c'est justement déjà de se rassembler entre personnes qui ont le même vécu, la même expérience, pour discuter. Et ensuite, une fois qu'on est bien entre nous, une fois que au Congo on s'est déjà réapproprié sa propre histoire, là on peut aller voir les autres, là on peut ouvrir nos frontières, mais ouvrir l'idée d'un village commun ou d'une Afrique unie, alors que déjà à l'intérieur même des pays, comme on a dit, il y a des grosses fractures et pas forcément une fierté de là d'où on peut venir, je trouve que c'est un petit peu illusoire. Les êtres humains se comprennent, en fait. Donc croire qu'il n'y a pas d'universel, je comprends. Comment peut-on défendre cela, quoi. Quand par exemple on dit que les droits de l'homme sont en grande partie une invention occidentale, je pense qu'il y a que quand même une grande partie, de, une majeure partie de l'humanité aimerait bien qu'on leur donne ces droits, malgré tout. Donc je pense que c'est parfois une excuse un petit peu facile, un petit peu politique de vouloir nier l'universel. Qui nie l'universel? C'est pas les Ouïghours qui sont en ce moment privés de liberté. C'est le gouvernement chinois. Voilà. Donc